Mes amis, j'aimerais vous parler du processus de deuil. Le deuil, c'est pas juste le fait qu'on parle pas, c'est pas totalement uniquement relié au décès. C'est relié à la fin de toute chose. C'est peut-être la fin d'une amitié, la fin d'un projet, la fin d'un voyage, la fin d'une relation, peu importe. Et quand c'est la fin de quelque chose, ben on vit un deuil. Ce deuil-là peut être un sentiment qui peut être, enfin ça peut être une période de deuil qui peut être plus ou moins longue. Mais il y a une chose que je réalise, et hier j'ai discuté avec aussi quelqu'un qui a perdu son mari, qu'elle a beaucoup aimé. Et ça m'est venu, ça s'est venu impacter chez moi cette notion du deuil. Et je m'entendais lui dire, tu sais, c'est tellement important d'être vrai dans cette période, de ne pas chercher à aller bien de suite, mais de pleurer absolument tout ce qu'on a besoin de pleurer. Et je lui disais que justement, tant qu'on pleure en fait, tant qu'on pleure et qu'on est dans cette phase de deuil, on est dans un besoin de reconnaissance de notre propre souffrance, la reconnaissance de l'injustice, en tout cas moi, voilà, c'est comme ça que je le vis moi dans ma situation, dans cette déception amicale, et c'est ok, c'est correct, c'est même sain que ça soit ainsi, mais c'est important de le vivre en conscience. Je sais que je suis en deuil et je sais que j'ouvre un espace pour mes larmes, pour me plaindre, pour bon, je craigne mieux, je ne suis pas contente de ce qui s'est passé. Et en conscience, je pleure cette injustice, je pleure cette malveillance, mais surtout je pleure cette absence d'amour, le fait que le lien soit coupé, l'amour ne soit plus là. Je pleure aussi la déception d'être mal jugée, enfin peu importe pour vous, mais en tout cas je sais en conscience ce que je pleure et c'est ok et c'est tellement correct. Et il y a une différence entre être en conscience de vivre le deuil et se conforter, s'enliser, se conforter dedans. Ce que je veux dire par là, c'est que ce deuil, il peut prendre énormément de temps si vous n'y mettez pas de la conscience dessus. S'il n'y a pas de conscience. C'est-à-dire que vous pleurez pour vous apitoyer sur votre sort. Et là, il y a vraiment ce qui veut dire que vous êtes dans un refus de ce qui s'est passé. Et là, ça peut prendre beaucoup de temps parce que vous êtes en opposition. Mais vivre le deuil véritablement dans l'acceptation de ce qui s'est passé, dans ce que ça génère chez vous en conséquence, et d'être en conscience de dire « Ok, j'ouvre un espace pour ça. C'est ok d'être déçu. » Et là, je m'accueille véritablement dans ce que cette situation a généré chez moi. Et je suis en deuil, en vrai. Je suis en deuil. Et je suis en deuil de cette relation, mais pas que. De cette relation amicale, mais pas que. Parce qu'il n'y a pas qu'une relation. Parce que, comme j'ai dit dans les autres vidéos, elle a englobé un peu les gens que je connais aussi. Donc je fais le deuil de plusieurs amitiés en même temps. Mais c'est aussi le deuil de ce voyage rêvé. J'ai vraiment projeté ce voyage comme une finalisation d'un long chemin. Femme seule, ayant élevé son enfant. Ça y est, mon enfant, elle est grande, elle est placée, elle est bien, elle a son appartement. Je me suis séparée d'une relation qui était de quelqu'un à qui je tenais. Ça y est, j'ai réussi à vivre, à mettre en place cette séparation. Ça y est, je suis disponible. Donc venir en Guadeloupe, c'était c'était le feu d'artifice, c'était la plage, Morito, enfin, la plage, le Tiponche, les amis. C'était cool, être en lien. Donc je projetais ça comme quelque chose de beau, de magnifique, de et puis dans la finalité de quelque chose. Donc il y a le deuil de cette projection. De ce projet magnifique que je me suis mise dans la tête, et jamais je me suis dit que je serais dans un voyage initiatique encore, où je vais être proche de moi-même. Et ça, je pense que ça c'est le plus gros deuil que j'ai à faire, hein. Parce qu'à la limite,
dans cette relation, dans cette déception amicale, j'observe bien le niveau de conscience qu'il y a en face de moi. Et bon, je peux mettre de l'empathie et de comprendre et de se dire, bon, je... en fait, fallait pas que je m'attende à autre chose. Mais en fait, ce qui est le plus, ouais, c'est faire le deuil de ce que j'ai projeté pour moi. Se dire, ok, ça ne s'est pas fait comme ça. Mais ça m'a permis effectivement de poser mes nouvelles empreintes et ma nouvelle vibration dans les îles. Parce que même si c'est pas chez moi, même si c'est pas Madagascar, mais je suis dans un écosystème qui va réveiller forcément mes ancrages. Donc oui, ça pouvait pas être autrement en fait. Mais ma tête le sait, mais pour l'instant mon cœur ne l'accepte pas encore. Donc il y a vraiment un deuil à faire, et un accompagnement à faire. Et je pense que l'essentiel, c'est d'être dans la bonne direction. Alors est-ce que c'est pas non plus prendre le contrôle des choses, de dire que c'est dans la bonne direction, mais dans la bonne direction pour moi, c'est justement de faire en sorte de ne pas cultiver cet état de victime, mais plutôt de s'accompagner déjà dans l'humain que je suis, de s'accompagner, de m'accompagner dans ce que je suis en train de vivre. Et quand je serai prête d'embrasser ma propre création, je suis créateur suprême de ma réalité. Donc c'est moi qui ai créé cette situation et ce scénario. Moi, ouais, ça c'est encore une nouvelle étape, mais je n'en suis pas encore là pour l'instant. Parce que mon cœur n'est pas disponible et ouverte à ça. J'ai encore des émotions à accueillir. Donc effectivement, la phase de deuil est une phase qui est importante. Et c'est vraiment important de s'autoriser à 120% à vivre ce deuil. Et de pouvoir passer à l'étape au-dessus et d'extraire vraiment... d'extraire le meilleur de cette expérience et surtout de faire cette expérience quelque chose qui me permette de grandir. Il y a une chose qui est claire pour moi, c'est qu'il est hors de question que j'ai vécu tout ça pour rien. J'ai à cœur, avec beaucoup d'engagement et d'amour pour moi, de grandir de cette expérience vraiment, d'élever encore mon niveau de conscience, d'élever mon niveau d'amour pour moi et mon niveau d'amour pour l'autre. Dans la compassion, ce qui ne veut pas dire que je suis d'accord avec les claques qu'on m'en mise. Non, quand même, on me tend la joue droite. Croyez-moi bien que je ne vais pas tendre ma joue gauche parce que j'ai de l'amour pour moi. Mais c'est tout simplement que je veux bien avoir de la compassion et comprendre la réalité de l'autre. Cela ne veut pas dire forcément que je suis d'accord avec une attitude de merde. Voilà, on va dire ce qui est. Et donc, du coup, ça, j'ai envie de grandir de tout ça, de pouvoir encore prendre soin de mon cœur, de le maintenir encore ouvert, de cultiver cet amour que j'aime offrir, que j'aime recevoir aussi. Et c'est peut-être ça. C'est peut-être ça l'erreur, enfin pas l'erreur, mais ce que j'ai besoin de changer, c'est que j'ai besoin de veiller un peu plus à l'amour que je reçois. J'ai tendance à aimer les gens et je vois davantage la relation d'amour que je propose, mais je ne vérifie pas assez qui sont les gens en face de moi. Est-ce que eux aussi me témoignent ce niveau d'amour que j'offre? Parce que moi j'ai envie d'être aimée comme j'aime. J'ai envie d'être entourée de personnes qui m'aiment comme j'aime. La question c'est, est-ce que c'est le cas? J'avoue que je ne vérifie pas forcément. Moi, dès que quelqu'un me rend service, les personnes que j'aime m'aident, je suis tellement reconnaissante que dans cette reconnaissance, je ne prends même pas le soin de voir est-ce qu'il y a cet amour inconditionnel vraiment derrière, parce que c'est différent. Donc, quelqu'un peut te rendre service, c'est une chose, je peux avoir de la gratitude, je peux faire la part des choses, mais... est-ce que l'amour véritable et la bienveillance est là? Ça, c'est une autre question. Est-ce que les agissements sont des agissements intéressés? Ça, c'est une autre question. Voilà.
Tout ça, c'est à vérifier. Tout ça, c'est des choses que j'ai besoin d'apprendre à faire. J'espère que ce partage au niveau du deuil va vous aider aussi à suivre les étapes de vos évolutions et ou permettre que le deuil puisse se vivre pleinement est une étape de votre évolution personnelle et spirituelle aussi. Voilà mes amis. Voilà pour le partage d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aidera à prendre soin de vous aussi, autant que je prends soin de moi dans cette période. Bisous mes amis.